Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'Oracle. Alors aujourd'hui samedi. Alors oui, j'ai la même tenue sur toutes les vidéos de la semaine. C'est parce que je vais vous dire un secret. En fait, je fais plusieurs vidéos d'affilée. Ben, donc du coup, euh, j'ai les mêmes habits. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je me change entre deux. <laughs> Quand même. Voilà, mais... Euh, je... Pour les vidéos bien-être, bah, comme je vous fais des présentations de jeux, comme euh, euh, je fais des petits tirages qui ne me demandent pas beaucoup d'énergie, je peux faire facilement 5-6 vidéos d'affilée euh, en fonction des jours. Voilà. Euh, comme pour l'instant, je n'ai pas encore la fibre, eh bien, il faut que je, je filoute un petit peu quand j'ai internet pour pouvoir télécharger plein de vidéos d'un coup. Alors, vidéo du samedi. Oui, bah, j'ai toujours la même énergie. Le samedi, euh, c'est comme le vendredi. Le samedi. C'est le vendredi qui continue, c'est la, la bonne ambiance, c'est la bonne humeur. Alors, j'ai le plaisir de vous accompagner le matin au réveil, à 7h, les petits tirages bien-être de Tonton Chronos, hein, le vendredi pour l'amour, et le samedi, les tirages multiples. Alors, pour les gens qui me connaissent, bah, je ne vous explique pas. Pour les gens qui me découvrent, par contre, bienvenue, abonne-toi, bienvenue dans la caverne de l'Oracle. Et oui, deux fois je prends un petit peu ma voix comme ça, un petit peu. Ah, le châtelain, le châtelain des cartes. <laughs> oui, alors bienvenue, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Le petit pouce, voilà, pour donner de la puissance et de la visibilité à la chaîne. Et on est parti. Donc, pour ceux qui me découvrent, le principe trois cartes, trois équipes. Vous choisissez une équipe à la base en fonction. Euh, hop des cartes qui vont sortir ici. On a une sorte de fleur un petit peu blanc. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça ressemble un petit peu à du muguet, mais c'est pas du muguet. Allez, je vous montre. La team florale. Allez, on est pour les fleurs ici. Ah, ça sent le printemps. Ah, cette carte là, ça sent le printemps. J'avoue. Ensuite, deuxième équipe. Oh là 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 là, la deuxième équipe, ça sera l'équipe arc-en-ciel. Alors là, pour le coup, on a un bel arc-en-ciel de lumière qui tombe comme ça. Tchac À travers les arbres, on a une sorte d'arc-en-ciel de lumière qui se divise. Ça sera la deuxième équipe. Hop, je vais la mettre comme ça. Et pour la troisième équipe, c'est celle-ci. Oh! C'est une carte qui est déjà venue. C'est la team écureuil. Le petit trou dans l'arbre. Alors, de souvenir, j'avais pris celle-ci, moi, la dernière. Alors, vous avez le choix entre l'équipe trou dans l'arbre, écureuil. Vous avez arc-en-ciel, puits de lumière. Voilà, puits de lumière. Ou pluie de lumière, à la limite. Et vous avez la team florale, voilà, avec cette euh, plante euh, blanche. Ça pourrait parler de pureté. Hein voilà, voilà. On est parti. Donc, vous avez le temps du début de vidéo pour choisir votre équipe. On est parti sur l'oracle de la vérité. Alors, ces trois oracles, je les ai présentés dans une seule vidéo. Et en dessous de cette vidéo, il y a tout. Les liens pour pouvoir les acheter. Voilà, c'est un jeu qui m'a été offert, c'est un triptyque de jeux qui m'a été offert. Donc les trois valent 78 euros et vous pouvez les trouver donc, sur ma chaîne dans la playlist. Vous allez chercher Oracle Arc-en-Ciel, Oracle de la Vérité ou Oracle de la Nature et vous allez dans le descriptif et vous trouverez où acheter. Ces jeux magnifiques, très colorés, que j'utilise maintenant tous les samedis pour le plus grand plaisir des abonnés. Voilà. Et pour mon plaisir également. J'adore ces jeux. Ils sont très très beaux, très colorés, ça donne du peps. Allez, première carte pour la team florale. Pour la team florale. Les deux premières cartes sont sélectionnées pour la team arc-en-ciel. Allez, pour la team arc-en-ciel. Oh, ça va être facile. J'ai deux cartes qui m'ont fait de l'œil. Team arc-en-ciel, c'est parti. Pour la team écureuil, trou dans l'arbre. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, je n'ai toujours pas choisi mon équipe. Je le ferai au ressenti quand nécessaire. Pour toi, c'est la même chose. Tu choisis ton équipe quand tu le sens. Voilà. En sachant qu'il n'y a pas d'engagement, tu peux sélectionner le message qui te parlera pour une ou plusieurs, ou plusieurs équipes ce week-end. Allez. On va conclure avec l'oracle arc-en-ciel. Enfin, on va conclure oui et non, puisque vous le savez maintenant, je rajoute une petite carte de flow, la fin, version bonbon tout rose. Voilà. Allez. Tchac, Voilà. tchac. On est parti, on est parti pour le tout en haut. Tout en haut, la team florale. Oh, deux cartes qui viennent, je prends. J'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas triché. <laughs> j'ai pas triché. Euh... Oh, j'ai vu un petit peu. Euh... Allez, on est parti. Bah j'y peux rien, les amis. J'y peux rien. Elles ont sauté, elles se sont retournées et j'ai l'esprit vif. J'ai je... eu le temps de voir un début de mot. Il me semble. Mais j'ai vite détourné le regard. Alors, ici. Moi, je sais pas. Alors, je suis bien tenté par celle-ci, quand même. Je vous avouerai, euh, la team arc-en-ciel. Je n'ai pas envie de reprendre la même que la team euh, écureuil la fois passée, en fait. Allez. Je ne vous influence pas. Hein, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans les tirages. Ça, c'est la surprise. C'est notre petit moment à nous, hein, du samedi matin, en famille. Voilà. Parce que vous faites partie de la famille, hein, bien sûr. Hop. On est parti pour les cartes de Claw. Les cartes de claw. Alors, Jack. On est sur les cartes de Claw. Ça veut dire que il vous reste trois cartes pour choisir votre équipe. Allez, jouez le jeu, les amis. Jouez le jeu. Première carte ici, elle s'est retournée pour l'équipe. Floral, la fleur blanche, tout là-haut. Pour mon équipe, pour la team arc-en-ciel et pour la team écureuil, les deux cartes sont venues coup sur coup. Je le prends. Voilà. Faites-vous le jeu, rien ne va plus, messieurs. dames Pour la team floral, ça sent bon, ça sent bon. Oui, oui, oui. Ça sent très bon. Ça sent le sapin, mais le vrai sapin. Pour la team arc-en-ciel, ça sent bon pour l'instant. Ça va, ça va, ça va. Oui, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Ah, là, on a des beaux tirages, les amis. On a des belles énergies pour les deux premières. Pour la team écureuil. Ça va, ça va, ça va. Ça va, oui. Allez. Celle-ci, elle est un peu chafouin. Un petit peu, un bêche. Allez, allez, allez. On est prêts Donc, pour la team florale, amusement et intuition, naissance, matérialité et The Wood. Alors, là, j'ai un beau raccord entre l'image assez florale d'une plante qui pousse sur un arbre. Et la forêt c'est quand même je pense une belle invitation à aller promener en nature. allez vous amuser à aller travailler votre intuition. On peut me parler de naissance, alors soit vous attendez une bonne nouvelle, ça peut être une grossesse si jamais vous attendez une bonne nouvelle et que vous avez choisi cette carte blanche de pureté. Ça peut être un petit signe de naissance. Moi, je dis ça, je dis rien. Je voudrais pas créer des fausses joies, mais potentiellement, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, que me dit-on Amusez-vous, allez travailler votre intuition, travaillez votre lien à la nature. Peut-être la naissance aussi d'un lien à créer dans la matérialité. Le Jardinage, peut-être. Jardinage ici pour cette équipe ici. Promenade en nature. Pourquoi pas faire un câlin aux arbres, aller parler aux plantes. Euh... On est dans la matière. Pour moi, je viens de voir les mains qui vont travailler dans la terre. Hein. Ça va développer votre intuition et ça va vous amuser. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Aller en nature pour la team florale, pour la team lumière pluie arc-en-ciel, naturel et concret, créativité et lenteur. Et j'ai la lumière. Alors j'ai encore un rappel ici, contre ma carte de Claw, et ma première carte, là j'avais la forêt, The Wood, avec la plante, là j'ai la lumière, et j'ai mon euh, arc-en-ciel lumineux ici, donc la carte de Claw a parfaitement bien répondu ici, donc c'est très très intéressant de voir à quel point les jeux se parlent les uns les autres hein. Euh, naturel et concret. Pour la team que j'ai choisie ici, on me dit d'être créatif, de prendre votre temps, lenteur, de prendre du temps pour concrétiser votre état naturel. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, ça, Chronos En fait, moi, je le perçois euh, par émotion. Alors, il faut que j'essaye de vous le verbaliser. Vous êtes beau, vous êtes joli au naturel. Voilà. Restez naturel, soyez concret. Hein. Concrétisez votre naturel dans la matière. N'essayez pas de séduire par des artifices. Soyez euh, euh, créatif. Voilà. Et prenez votre temps. Voilà. Soyez lumineux. En fait, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que notre nature profonde est lumière. Et c'est exactement ça. En fait, naturel et lumière, c'est concret. Il suffit d'aller chercher à l'intérieur. Mais ça prend du temps. C'est une invitation à la méditation. C'est une invitation à l'introspection. Vous êtes lumière. Faites briller cette lumière avec lenteur, avec douceur. Ne soyez pas trop agressif dans la façon dont vous brillez. Euh... Favorisez la créativité. Pourquoi pas la peinture on parle de couleur ici, on parle de... Vous voyez, c'est vraiment de, de la créativité, mais en couleur. Pourquoi pas euh, faire des petites vidéos, des photos On peut me parler de photos aussi, c'est capturer l'image, c'est capturer la lumière ici. Euh, des choses très concrètes avec la nature. Peut-être que vous avez l'âme d'un artiste, d'un troubadour, d'un poète, d'un senteur, d'un photographe ici, et que vous ne le savez pas encore. Bienvenue dans l'équipe lumineuse. Voilà. Pour l'équipe trou dans l'arbre, écureuil. Austérité. Alors dans l'austérité, on a un petit peu de rigueur. Il vous faut de la rigueur pour trouver votre équilibre. Peut-être mettre en place de bonnes habitudes, de nouvelles habitudes et déloger les anciennes. Voilà. Faire preuve d'austérité. Réceptivité. Travailler votre réception. Voilà, travaillez les messages qu'on vous envoie, votre réception pour les recevoir. Partez à l'aventure ici, The Mist. Alors, ici, j'ai une carte un petit peu de brouillard quand même. Mais c'est bien ça! Comme il y a brouillard, il faut un petit peu de courage pour partir à l'aventure. Et quand on est dans le brouillard, on n'a plus trop la vision qui est au top, puisqu'on marche à tâtons. Du coup, il faut développer la réceptivité des autres sens. Donc, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Il faut un équilibre entre tous vos sens. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, il faudrait que je travaille un autre sens. Il faudrait que j'équilibre d'autres sens. Donc, pourquoi pas, par exemple, dans cette team-ci, si vous êtes très visuel, travaillez votre odorat avec de l'encens, une petite méditation, aller respirer dans la nature, les fleurs, les choses comme ça. Si vous êtes plutôt odorat que vous avez le nez fin, pourquoi pas travailler votre sens de l'observation Ou alors peut-être travailler l'ouïe, hein, l'écoute. Vous mettre à l'écoute, écouter les intonations, écouter des chansons. Vous pouvez être dans le toucher également. Pourquoi pas aller toucher certaines matières, du tissu, des pierres, du bois, euh, toucher vos cartes. Vous pouvez faire ce travail de réception avec vos oracles, par exemple, si vous disposez d'oracles chez vous. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez le faire avec des matières, toucher les fruits, toucher les légumes, toucher le, le frigo, euh, les murs, et fermez vos yeux, soyez réceptifs. Privez-vous d'un sens pour développer les autres. Partez à l'aventure, trouvez cet équilibre entre vos sens, ça va vous permettre en fait une meilleure réceptivité au monde et une meilleure, euh, comment dire, dégustation du monde. Voilà, ça serait une dégustation plus fine, plus suave. Alors, les amis, moi, pour cette équipe-là, ça me parle, ça me parle bien d'être naturel, au concret, de, de travailler cette lumière intérieure, quoi voilà, voilà, de prendre du temps. Oui, vous avez remarqué, j'ai radouci aussi mon mon allure. Je parle très, très très vite, en fait, ça va vite dans ma tête, donc du coup, ça sort vite dans ma bouche. J'essaye de travailler plus lentement. Donc oui, j'essaye de parler plus lentement, d'être plus agréable, de travailler les intonations, les choses comme ça. Vous voyez D'être plus lumineux dans mon verbe. Là, on me parle du verbe, hein, pour moi. Donc cette lenteur, pour moi, me parle. C'est ralenti. Ralenti, chronos. Voilà. Sois cool, détendu, relax. Mmh. Soit plus naturel, plus concret. Voilà. Il faut que les gens puissent m'écouter et que ce soit un plaisir. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous voyez Donc moi, cette équipe-là me parle. OK. Est-ce que l'équipe... Euh, floral me parle. Eh bien, oui, moi je suis quelqu'un d'assez nature, j'aime bien. Je vais aller m'amuser en nature, oui. Ce week-end, il y a de fortes chances avec le brunch, que j'aille que profiter un petit peu du soleil, oui. Donc là, on est bon. Et pour cette carte écureuil, est-ce que ça me parle Travailler mes sens, je le fais déjà. Alors, ça me parle, oui, mais ça m'impacte moins puisque c'est déjà des habitudes que j'ai. Par contre, ce côté ralentir Chronos, ça me parle beaucoup. Voilà. Donc si je devais vraiment choisir une seule, ça serait celle-ci. Les autres me parlent, mais un petit peu moins. Vous voyez Donc pour ce tirage, dites-moi, dites-moi l'équipe que vous avez choisie. Est-ce que ça vous parlait ou pas Et est-ce que le message des autres équipes vous parle Tout simplement. Voilà. Il se peut que plusieurs messages résonnent pour vous. Donc vous me direz ça en commentaire. Le petit pouce, si vous avez envie. Voilà, si le cœur vous en dit. Oui, je ralentis un petit peu. Et ensuite, voilà, donc on va passer un excellent week-end. Je vous souhaite de très très belles énergies pour ce samedi et ce dimanche. C'est toujours un plaisir. De vous accompagner au réveil à 7h du matin. Et oui, les vidéos sont mises en ligne à 7h pour la plupart du temps. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi voilà, de vous apporter ces énergies que j'espère positives et bienveillantes et emplies d'amour. Voilà. Alors, mes belles âmes, à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans la caverne de l'Oracle.